Bonjour, ici Sir Brazen pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Street Fighter en duel, ou plutôt, on pourrait dire, Auto Street Fighter Duel. Non mieux, Gran Turismo Street Fighter Duel. Street Turismo, on y est. Oui, on va faire aujourd'hui de la tuture. Ah oui, non mais sérieusement, on est vraiment parti pour faire Automoto. Ah oui. Aujourd'hui, nous allons voir la concession entièrement, oui. On va aller dans un truc que je ne fais jamais. Et vous allez voir que, effectivement, je ne l'ai jamais fait. On va dans Garage. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai récupéré ça. Vous allez dire, mais si, tu nous rends pour un compte à des voitures. Alors, il faut savoir que ces voitures-là, je les ai eues avec un coffre. J'avais eu une quantité assez astronomique de coffres. Et d'ailleurs, j'en ai encore un. Qui m'a permis de pouvoir cibler la tuture de Ryu, la moto de Ryu, tout ça. Ouais. Mais... J'ai 49K de tirage de Automoto. Ça coûte 3K pour faire une multi. Ah, 5, certes, mais une multi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, ben, on a une wishlist. Oh, je savais même pas qu'il y avait une wishlist. En vrai, on retire Zangief qui ne sert à rien. On va mettre ça. Yes. Et on veut les voitures, les motos, les tout ce que vous voulez de ces personnages-là. Et on est parti pour faire de la vocation. Donc, il y a les voitures SS, enfin les véhicules SS et les véhicules SSS. Nous voulons bien évidemment les SSS. Allez, on veut quelque chose de qualitatif, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quand on est sur du dos, là, a priori, il n'y a pas d'étoile, donc je dirais qu'on n'a pas quelque chose de bien. Non, on a du SS, mais pas du SSS. Ma Craft Gear. Alors, qu'est-ce que l'on va avoir? Là, on voit qu'il y a des étoiles, donc a priori, on aura du SS. Oui, il y a du SSS. Et c'est le SSS de Blanca. Ouh, et ben, il se refuse de rien, pépère. Et on continue encore et encore. Ça a l'air d'être encore du SSS. Yes. On va pouvoir bien augmenter la puissance de nos personnages avec ça. Et c'est la voiture de sport de Ryu. Nice. Lui non plus, il se refuse à rien. Ah, là, on va avoir que du SS. C'est pas grave. De toute façon, il va falloir que je remplisse tous les véhicules des personnages qui sont en SSS. Hein. Là, on va encore avoir de la merde. Alors, comment on voit très rapidement, je sais pas si vous avez rendu compte, mais si le fond est rouge, c'est de la merde. Enfin, c'est du SS. Si le fond est blanc, c'est que on va avoir du SSS. Et là, d'un coup, on n'a plus rien du tout. Plus rien. Et d'ailleurs, en parlant de plus rien, mais attendez. Mon Dieu. Qu'ai-je fait? Ah, bah voilà. Là, on est dans le fond de cire. Ah oui. Bon, alors, on a deux SS. Mais nous, ce qu'on veut, c'est du SSS. Non, bah là, on n'a plus rien. J'aurais dû m'arrêter au troisième tirage, voilà. Donc. Ah, bah voilà du SSS. Voilà, ça, c'est ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir. Allez, qu'est-ce que tu me donnes? Une grosse Jeep. Et c'est la Jeep de... Oh, sympa, ça va bien la booster. Encore. Oui, c'est ça que l'on veut voir. Ah oui, Automoto aujourd'hui, hein, on est à peine à 22 corps. Schlouk. Yes, alors Blanca il va bien augmenter, j'ai quand même sa bagnole de sport, j'ai sa moto en SSS. Mouah, ça va être un vrai délice. Ah, je vais bien upper mes personnages, je pense que là, il y a moyen que je reclaque un chapitre ou deux d'un coup. Hein. Parce que vous vous rendez pas compte, mais la quantité de stats que ça donne... C'est assez incroyable, hein. C'est normal que je ne l'ai jamais véritablement. Du fait que je ne l'ai jamais fait, c'est normal que je bloque un peu. Ah, vous allez voir que ça va passer un tout petit peu trop mieux. Yes, allez. Encore quelque chose de qualité, s'il vous plaît. On n'a pas encore eu du bison, tiens. La petite voiture de sport de bison, je veux voir ce que c'est. Oh, la voiture de sport de Kaimi. Alors, ça sera qualitatif. Je rappelle que Kaimi, étant donné que je l'ai mis en soutien... Avec sa compétence de béret, ça fait qu'elle attaque sur le champ de bataille. Donc elle est littéralement sur le champ de bataille. La voiture utilitaire, on va dire.
Et on est sur... Bien. Pour l'instant, on a eu la chance sur les 8 personnages qui sont sur la wishlist. Je n'ai eu que des personnages qui se trouvent sur mon champ de bataille. Puisque techniquement, je vous dirais bien que Chun-Li, par exemple, je l'ai mis dedans parce qu'il fallait en mettre une dedans. Il fallait en mettre 8. Et j'en ai que 6 sur le terrain. Hein. Donc pour l'instant, ça ne me sert pas. Oula, 3 SS quand même. Hein. Il y a de quoi... Oh oui, enfin fini. Oh, nice. And crafting. Et on a récupéré en plus ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là, on va se faire plaisir. Oh ben oui, on va se faire plaisir parce que j'ai vu un coffre qui m'intéressait. Un coffre automatiquement SSS. Yes. Que je vais choisir pour... Ah oui, bah c'est normal que Bison je puisse pas. Si je peux, nice. Je veux ça pour Bison. Donne-moi les véhicules de Bison. Ouh. Alors, c'est quoi sa grosse, son gros 4x4 ? Ouais. Ouais, logique. Nice. Alors, on est parti vérifier du coup pour chaque personnage la puissance véhiculaire qu'il a. Alors, quick remove. On va quick remove tout parce que littéralement, vous voyez les bonus qui se retirent. Ah, j'avais déjà son 4x4 à elle. Ah. Pas grave. On va voir. On va voir, a priori le reste. Pour l'instant, ceux-là ne l'ont pas. Hein. Il faut vraiment être SSS pour avoir le droit au véhicule de fonction. Alors, on va prendre Blanca. Voilà, ça y fait toutes les stats qui ont été. Un poil augmenté, ça fait peur. La petite Serena qui a aussi récupéré du coup sa buggy et sa voiture de sport. Et techniquement, il y a la SS qui va bien avec aussi. Nice. Ryu. Ouh. C'est qualitatif. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois qu'il utilise un véhicule avec un fanion de ce personnage-là précisément, il gagne un bonus. Donc par exemple, sur la SS, sur la S ici, il va gagner 2 bonus. Sur cette SS-là, il va gagner 3 bonus. Et pourquoi les SSS sont techniquement uniques au personnage, vous pouvez les placer sur n'importe qui. Seulement, ben, si vous regardez sur le SSS, il y a un quatrième fanion du personnage. Ce qui fait que lui, sur cette arme, sur cette voiture-là, il va avoir 4 bonus. C'est pour ça que c'est assez astronomique les bonus qui sont donnés. Quand vous regardez, voilà, elle a gagné quand même 22 000 PV, ce qui n'est pas rien, somme toute. Elle a récupéré sa petite voiture là. Alors Chun-Li, je vais le mettre potentiellement, et Honda. Et Honda, il faut que je le mette, je rappelle qu'il se trouve dans les soutiens et il met un bouclier au début de la zone, ce qui est qualitatif. Je sais quoi ça d'ailleurs. Ah la vache, quand on commence à avoir assez de SSS, il y a un boost sur ça, il y a un passif. Comment on le fait pour l'avoir du coup? Je ne sais pas comment on fait. Je peux la peindre. Nice, d'accord. D'accord, non, ça me va. Bon, alors là, vous voyez que j'ai un poil gagné un tout petit peu. Vraiment, minusculement. On va juste regarder. Alors, attention, vous êtes prêts? On va regarder l'équipe. On va faire quick équipe et on va regarder juste le point d'attaque. Elle a gagné 600 points d'attaque avec que des voitures et des véhicules qui ne lui servent à rien. Voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose de qualitatif. Et là, pour le coup, qu'est-ce que l'on va faire? Eh ben, on va tester le 23-8. Pourquoi pas? En vrai, ça se prend. Moi, je dis, ça se prend. On va se tenter ça. On va se tester les nouveaux véhicules de fonction. Ouais, j'ai quand même gagné, je crois, un truc comme 104 puissance. Hein. C'est pas négligeable. 104 puissance, c'est pas négligeable. Alors, on va voir si ça fonctionne, là, actuellement. Il faut savoir que, du coup, comme vous avez pu le voir, je suis quand même... C'est où? En face, on a quand même du 249 avec un gros guy, ce qui fait très, très, très excessivement mal. C'est une horreur. Et force est de constater que, ben oui, les véhicules sont tout à fait qualitatifs. Hein. Le 23-8 est passé. Nice.
Sur ce, j'espère que cette petite vidéo d'Automoto Street Fighter vous a plu. Le Gran Turismo Street va fermer ses portes. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien, mais moi ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide pour le référencement. Et quant à moi, je me retrouve incessamment sous peu, très très bientôt, pour la suite des aventures de Street Fighter Duel, le jeu de l'amour. Allez, bye.